Fin hier soir des deuxièmes pourparlers informels sur le Sahara, organisés pendant deux jours à huis clos sous les auspices de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Christophe Arros. Ils ont pris fin à Harmonk, dans la banlieue de New York. Au cours de cette réunion restreinte, la délégation marocaine a marqué sa disponibilité à négocier une solution réaliste et réalisable sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. Iman Ablon. Dans la localité d'Harmonk, toujours sous la neige, les deuxièmes pourparlers informels sur le Sahara s'achèvent. Au cours de cette réunion restreinte, la délégation marocaine a marqué sa disponibilité à négocier une solution réaliste sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. En conférence de presse, la délégation marocaine souligne que la proposition émanant de l'autre partie n'apporte rien de nouveau. Elle se contente de reprendre les grandes lignes des plans antérieurs qui se sont avérés irréalisables. Là encore, le Maroc exhorte ses interlocuteurs quant à la nécessité d'aller de l'avant avec bonne foi et esprit de responsabilité. Le Maroc s'attache à l'initiative d'autonomie qui s'inscrit dans le cadre d'une vision globale du développement du pays. Sa Majesté le Roi a proposé une régionalisation élargie en vue d'avancer en matière de gouvernance territoriale. La délégation marocaine appelle encore une fois l'Algérie à se conformer à la légalité internationale sur son territoire, concernant notamment la situation humanitaire dans les camps de Tindouf. Comme lors de la première réunion informelle du mois d'août 2009, les discussions se sont tenues dans un esprit d'engagement sérieux, de respect mutuel et d'honnêteté. Aucune des deux parties n'a accepté la proposition de l'autre comme base unique pour les négociations à venir. Les parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les négociations dès que possible. À l'issue de cette deuxième réunion informelle, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara a annoncé qu'il effectuera prochainement une visite dans la région en vue de consulter davantage les parties suite à leur engagement à poursuivre les négociations.